Qui sommes-nous? Nous sommes les hommes. Aujourd'hui, le terme n'a pas en français de sens figuré particulier. Dans le français courant, le terme inuit en a remplacé un autre, esquimau. Et ce dernier a désigné le même peuple, la même langue, avec une origine différente, parce qu'il venait d'une autre langue indienne. Et même si les Européens qui ont peuplé le Canada, parce que c'est bien là-bas que ça se passe, n'en sont pas les inventeurs, c'est ce mot « esquimau » qu'ils ont employé pour renvoyer de façon un petit peu vague à tous ceux qui vivaient dans le nord du pays, quelle que soit leur histoire. Alors cette appellation s'est colorée d'une nuance coloniale. Cette nuance demeure encore, et c'est pour cela que les Inuits l'ont récusé. Ils ne veulent pas qu'on les appelle des esquimaux. Mais l'histoire de ce terme ne s'arrête pas là. Puisqu'il est associé de façon un petit peu stéréotypée à l'idée du froid, ça nous fait comprendre que l'esquimau, c'est aussi une crème glacée industrielle, fichée sur un petit bâtonnet. Alors oui, l'esquimau existe encore, et ne saurait être remplacé par un autre mot. Quand même pas question de manger un Inuit au chocolat. Voisin de siège, cet inconnu à qui j'ai refilé deux mini-bouteilles de Bordeaux, me pince le bras au-dessus d'un fuseau horaire. En bas, me répète-t-il, ce devrait être la Mongolie, s'éveillant dans l'aube de demain. À moins que ce ne soit Mexico City, perdu sous un nuage piqueté de millions de feux dans un crépuscule déjà vécu. Nous voici perdus dans les airs sur ce globe qui nous joue des tours. Cette grande masse bleue laissée après nous, était-ce le Pacifique de mon enfance ou de nouveau le ténébreux Atlantique? Je ne me souviens plus de mes deux dernières escales et du changement d'avion dont l'aile, depuis longtemps, a effacé la France et nos existences accrochées. Quel décalage devrais-je prendre en compte sur ma montre qui ne tourne plus rond? J'ai dormi dans le trou noir du ciel et les premiers accords d'un jour pâle, ma fiche de débarquement raturée au feutre sur la tablette. En chaussettes,